Ok, je dis, je viens de parler non, de Twins Chaser. Sorry, son terme anglais, par contre, est équivalent en créole, mais nous avons traduit par un monde qui a chassé trans. C'est une expliquer comme ça. Un trans chaser, c'est un monde qui, bien sûr, il des personnes trans, yo, mais c'est juste parce qu'il déshumanise yo, et il objectifie. Yo. Donc, il parle yo, dans la dimension monde, yo, il juste réduit yo à identité yo, et puis quoi yo en tant que personne trans. En pile trans chaser, yo fétichise les gens qui trans, c'est parce que yo attiré par le type de sexe que corps en personne trans ka pote ba yo. Ba pas besoin aller plus loin dans samedi. Exemple qu'après me démontrer nous ça c'est que on après trans chaser yo grand paquet d'assomption tant qu'il y a pas assumé qu'une femme trans pral pénétrer yo ou bien yo ka assumé qu'un homme trans a pas accepté yo pénétrer yo. Et c'est des assomptions qui majoritairement fausse parce que sexualité pour personne trans yo même j'ai avec pour n'importe quelle personne si genre c'est que il varie de un monde à l'autre donc on pas prendre un exemple qu'on est de un monde pour généraliser à un groupe de monde ou bien juste faire une assomption sur des bagages ou gain dans tête tout. OK, on pas dit que une personne trans pas supposé avec un monde qui habitué avec personne trans. Il y a une différence parce que je pense qu'il y a un avantage parce que un monde qui trans avec un monde qui habitué avec trans parce que il y a pas que travail de déconstruction que on a en fait sous tête déjà. Mais attention qui doit faire c'est que ou pas avec un monde qui rime avoir uniquement parce que trans. Parce que ou pas seulement trans, ou c'est un monde où il y a plusieurs dimensions, la carrière, même genre avec tout le monde. Donc, il est supposé carrément avec un monde qui a une autre dimension, ou bien la carrière en tant que monde. C'était Jean-Michel Mémé, bonne journée.